Ça a commencé dans une antre. Ça a commencé sur les murs d'une caverne. Ça a commencé par les mots d'une petite fille. Ma petite fille, ma grande fille, Romane. Elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans et il y a 3 ans exactement, son petit frère est né. Et un peu avant que son petit frère naisse, elle a vu cette phrase. Au jardin des plantes, à Nantes, devant l'enclos des plantes carnivores. Elle avait dit, dis papa, qu'est-ce qui se passe quand on mange une plante carnivore? Alors des sourires. Alors des sourires et puis un peu plus tard, ce dessin. Du petit chaperon rouge. Elle avait représenté le petit chaperon rouge, elle était contente. Le dessin était heurté, noir, marron plutôt, avec des liquides à l'intérieur des corps, et avec des corps dans les corps. Un trait qui était hérissé, un trait qui était abrupt, avec des angles forts. Ce dessin-là. Qu'il y avait dans ce dessin. On en a beaucoup discuté de ce dessin. Et elle avait une idée. Elle avait trouvé un truc. Elle avait besoin de le dire. Elle avait du mal à le verbaliser, mais elle avait besoin de le dire. Elle a ramené le dessin sur la table de la cuisine. Et je me rappelle très bien, son petit frère allait naître quoi, un mois plus tard. Et elle avait dit, tu sais papa, le loup qui mange la petite vieille, elle aimait bien ce mot, le loup qui mange la grand-mère, elle a répété en articulant bien, c'est un peu comme une naissance à l'envers. Le loup qui mange la grand-mère, c'est un peu comme une naissance à l'envers. Ça a commencé comme ça, ça a commencé dans un ventre. Dans un pays lointain. La dialectique des ventres, la dialectique des contes, on la connaît bien cette dialectique-là. On le sait, les Gretel, la maison, ou à l'intérieur de la maison, le cachot, ou à l'intérieur du cachot, ou à l'intérieur de la cave, le four. Les antres qui sont emboîtées les unes dans les autres. Et la sorcière qui finit dans le four. La dialectique des ventres, la dialectique des récits merveilleux, la dialectique des dedans et des dehors, la dialectique des intérieurs et de ce qu'il y a en deçà, au-delà de la porte. Cette dialectique-là, elle est vachement intéressante, cette dialectique-là. Elle est... Pour ma fille, elle a été douloureuse. Pour ma fille, ça n'a pas été facile. Au moment où son petit frère est né, elle ne pouvait plus déglutir, elle n'arrivait plus à avaler. Elle disait, vous savez, c'est comme quand on dit, il y a quelque chose qui me reste là. Et elle crachait. Elle s'est fait un érythème tout autour de la bouche. C'était dur à l'école. Je ne sais pas si elle s'en rendait compte. On a parlé avec la maîtresse. Elle bavait beaucoup, elle. Ça rentrait pas. Ça retournait pas au ventre. La jalousie. La peur. Qu'on connaît bien, et pas seulement dans le récit merveilleux. C'est une dialectique qui a beaucoup marqué le 19e siècle. Qu'est-ce que c'est une dialectique? Une dialectique, c'est quand
il y a une tension qui devient un mouvement. C'est quand il y a une tension entre deux pôles, et comme dit Camus, quand l'un des deux pôles a manifestement tout, il n'y a plus de tragédie. C'est une tension entre deux pôles qui, sous le prix d'une intensité, devient un mouvement, pas une mécanique, un mouvement. Ça fait machine vibrante, ça fait machine désirante, dirait l'autre. Au XIXe siècle, elle existe, cette machine-là, la machine du ventre. Des fois, elle est métaphorique, c'est le vent de Paris, Zola. Le marché des Halles, ce qui grouille, les gens, le combat des gros, des gras et des maigres, c'est ça le vent de Paris. C'est un des premiers romans des romans macabres. C'est un roman très hugolien, très maladroit. Mais dans le ventre de Paris, les héros, qui sont des héros romantiques, Miette et son ami, je ne me rappelle plus son nom, eux, ils sont au-dessus, comme le bossu, au-dessus de la mairie. Et comme le bossu, ils sont attirés dans la cour des miracles. Et ils sont plongés dans la tragicomédie des Rougon Macquart. C'est le ventre putréfié, c'est la vie des microbes, c'est la vie des pustules, c'est ce qui sort, c'est pas ce ventre-là, c'est pas ce ventre-là qui monte, c'est un autre ventre. Ce ventre-là, on le connaît bien, celui de Baudelaire, on le connaît bien, c'est les tribus yakuza qui se répandent. C'est dans ces Glenn dans The Walking Dead qui se retrouve coincé et qui, à la fin de cet épisode, voit les tripes jaillir d'un ventre qui finalement n'est pas le sien et qui finit par ramper
Hermokis, il dit, mon sang, il finit par ramper dans mes veines. Je pense que c'est cette dialectique-là, en fait. Le fluide qui s'agglutine, qui a perdu de sa liquidité au moment où le corps se putréfie. Et ce mouvement-là est plein de vie. Je pense que la plus belle image de ça, c'est ce film, Annihilation. Et ces tripes qui sont ce ventre qui est ouvert et ces entrailles qui bougent, qui ont un miroitement minéral et qui en même temps vivent, quoi. Plantes, animales, vers. L'échange des gènes dans Annihilation. Le miroir qui réfracte en fait cette vie-là. Cette vie très particulière entre le minéral et le végétal, cette vie où on ne conçoit plus vraiment si du lustre d'aragonite là dans cette grotte du sud de la France et du corail, on ne sait plus lequel est vivant. Cette grotte. Et ces mondes. Mais c'est toujours pas ce ventre-là. C'est toujours pas ce ventre-là. Bon, reprenez les images qui viennent, c'est parasite. C'est le visage plein qui s'ouvre. Et l'espèce d'éjaculation de sang qu'il y a derrière. C'est Orihime qui se fait assaillir par le holo. C'est Dorohedoro. C'est Caïman qui saisit les sorciers et qui les engouffre dans sa gueule. C'est ce ventre-là. C'est pas le vent qui se répand, c'est pas ce qui sort. Ce n'est pas des fluides qui, comme le magma, deviennent solides quand ils touchent l'eau, quand ils sortent à l'air libre. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Il reste la porte du ventre. Le dedans est toujours cerné à l'intérieur du gouffre. Doro et Doro. Vous avez vu, c'est un univers qu'on balbutie plusieurs fois avant de le saisir, de se l'approprier, avant de le sentir dans la bouche. Doro et Doro. Do, Dodero. Dolo, Dolo et Dolo. C'est grand. Il pleuvait ce soir sur Hall. Dolo et Dolo. Ne pas entrer tout de suite dans Doro et Doro. Ne pas entrer tout de suite. Regardez la porte. Passez du temps devant la porte. Une porte de cuir, de crâne, de mort, d'outre, de fluide. Ne pas entrer tout de suite. Être intimidé. Alors errer entre les œuvres, errer une nouvelle fois dans son imaginaire, à la frontière des mondes, dans la promesse des rêves, à l'oubli des demain, ne pas entrer tout de suite. Se promener dans ce dédale-là, laisser sa chance à ce dédale-là, et passer en revue toutes ces portes, tous ces univers.
le premier, la première porte, celle de Doro et Doro dans le dos, la première porte. Radicalisation de la politesse en fuite d'intimité, verrou et hystérie refoulée, la porte du père. Et puis seuil le paravent, éclaboussure de dehors, dans la semi-clôture, sexe coulissant et désir caché, la première fois. Et la troisième porte, la brèche, la toile percée. La toile percée, rejoindre le dehors dans le fracas de l'être, les braises du recommencement, connaître. La quatrième porte, le rideau, chercher le salut de l'œil dans la grâce pantin de la manipulation des êtres. Le rideau est le monde de l'œil et de la coulisse. Seuil, plonger c'est toujours se traverser, l'eau est le trouble du miroir. Le chatoiement de l'absence, vérité consommée, ivresse, néant, seul, fêlure et entre-monde, l'œil est proche et au berceau, la naissance comme le scandale de l'autre dans l'oubli des étoiles, toutes ces portes, tous ces univers, ces tunnels au ventre des mondes, la terreur et le geste et la volupté, la fêlure qui l'enveloppe, l'île machine, se préparer à entrer, retourner. Se recoster devant cette porte, ce qui est suspendu, le temps et le corps en éveil, la pulsion, le désir, la fascination, l'intention, la tentation, la crise dans le suspens des regrets, la mort fugitive ou fuyante. La porte de Doro et Doro, pas tout de suite, pas tout de suite, l'orée du monde interdit, rejetée. Profiter du jour, juste avant le soleil des noyades enfoui. Profiter du jour, juste avant les autoroutes de sel. La fêlure qui dessine les regrets des enfants sur lesquels on crache avant qu'ils ne nous crament, corps et blâme. L'un des matins de départ de Seni-Seni-Anne, par exemple. Et à l'oblique de la clochette fendue, les lèvres de paravent et l'encre bue, la brise, le glas et la chenille. La sublimation comme processus de métamorphose, Doro et Doro. Le corps qui se dérobe dans les mues de la quête. Grandiose, Doro et Doro. Le visage effacé est-il celui des êtres qui ont perdu la face? La trace est-elle encore une fois, Doro et Doro? La galerie d'œil, de monstres et de sang. Le mage est toujours l'envers d'une porte. Le devenir délire de la ville, Doro et Doro. Au cœur des labyrinthes, les monstres sont volupté désir d'ailleurs. Car c'était sans doute la voix du professeur qu'on a entendu. Il est donc bien vivant quelque part dans ce dédale. Retrouvons-le. Oh, pas de trace du professeur, j'en peux plus. En plus, j'ai faim. Je crois que je vais mourir. Ah, Doro et Doro, entrez. Car derrière cette porte se trouve le monde des mages. La porte, dans le monde. La porte derrière la porte. Doro et Doro. Le ventre derrière la gorge. Doro et Doro. Et le souvenir de l'œil. Car l'œil est un relief, le regard une encre, les masques d'encre. Doro et Doro, la grâce est une entropie, volute d'encre. Doro et Doro, si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux n'ont pas toujours vu, les luards. Doro et Doro, de cuivre et de rouille, les masques de l'errance, avec le visage au bout. Doro et Doro, poum poum, le regard est hyperbole. La vie, un point de fuite dans la géométrie des trajectoires. Alors se cogner contre le rebord du monde. Doro et Doro, ce qui nous lie. Doro et Doro.
Pendant que les mondanes sont vraiment affreux. Pareil aux mannequins vaguement ridicules. Terribles singuliers, comme des somnambules. Baudelaire. Doro et Doro, en cratère. Doro et Doro, l'énigme à résoudre porte de sa fracassée. La peur du noir, du vide et du nid. Qu'étreindre. Doro et Doro, et il pleuvait alors sur rôle. Doro et Doro, la pluie et cet éclat quand elle se brise contre la nuque de l'humain. Miral de la fuite et de la trace, perspective moqueuse. Doro et Doro, le lisse et le rugueux, l'immaculé et le douloureux, et piqué la croix, le féroce et le laiteux, la rage et la foi. Doro et Doro, la fabrique de l'être et les vicissitudes du tube, Doppelganger. Est-ce mon monde? Est-ce le monde que je cherche? Est-ce la hantise qui m'habite? Non. Pas de gestation seconde, pas de naissance alébique. Pas de ligne de héros à l'oubli du père et de la mère. Non. Doro et Doro, c'est bien ailleurs. Doro et Doro, c'est l'encre derrière, la poudre. La fumée comme la fantasmagorie des rêves. C'est le ventre des tripes. C'est le monde du dedans, certes. Doro et Doro, c'est une usine. C'est la fabrique derrière la porte. C'est les masques et le devenir secret des mondes. C'est le rêve qui fuit. C'est l'oblique. Doro et Doro. Une autre quête. Et une sacrée merveille. Doro et Doro. Doro et Doro. Joyaux et cuir empourpré, gueule ouverte, et le démon dans la gueule. Et la quête de l'oubli. Doro et Doro. Rideau. Qu'est-ce qu'il y a dans Doro et Doro? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la gueule de Caïman? Oh, c'est le monde expérimental, c'est le monde où il n'y a pas les sorciers. Pas d'analyse. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des analyses, on est là pour traquer une obsession. On est là pour essayer de cerner un drop, pour essayer de saisir ce ventre qui peut nous hanter et qui, d'une certaine façon, hante cette littérature-là. Qu'est-ce qu'il y a dans Doro et Doro? Il y a deux mondes. Les dominants et les dominés. C'est la lutte des classes, Doro et Doro. Cette tension-là, on y passe par des portes, d'ailleurs, souvent des portes faites de chair, de masques, de tripes. Ça sent Doro et Doro. En cratère. Doro et Doro. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la gueule de Caïman? Non, quand même. Saisir un sorcier, quand on a un personnage amnésique qui appartient au monde des non-sorciers, au monde des expériences, au monde des vaincus, au monde des faibles, au monde des fragiles, au monde des désespérés. Et Caïman, il n'est pas désespéré. Caïman, il est vénère. Et il est déter. Et Caïman, il veut savoir d'où il vient, ce qu'il fait là. Son histoire. Caïman, il lâchera rien. Et Caïman, au moment où il attrape un sorcier, en fait, qui vient d'un autre monde, il l'engouffre. Et à l'intérieur de sa gueule, gît un individu avec les yeux en croix, les mêmes que lui a, des yeux tatoués.
et qui répond toujours la même chose, c'est pas toi, c'est pas toi. Et Gaïman sort le sorcier qui l'a englouti et lui dit, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a dit. Et invariablement, pendant 1, 2, 3, 4 tomes, le sorcier répond, il m'a dit que c'était pas moi, avant de se faire trucider. La dialectique des ventres dans Doro et Doro, le champignon qui sort des ventres ou des dos d'ailleurs, le champignon de haine, le sorcier le plus puissant du monde des sorciers, qui s'arrache du dos de Nikaido, l'ami de Caïman, l'ami rivale amoureuse de Caïman, et à l'inverse, le secret de Caïman qui lui reste à l'intérieur. Je suis confus, mais je veux le rester. Je ne veux pas faire d'analyse de Doré. Je n'ai pas envie d'affronter ça ce soir. Non. Parce que l'essentiel de Doré, il est ailleurs. Il est dans la poussière, il est dans l'encre, il est dans ce qui se fabrique, dans ce qui se machine. Il est dans la recherche du double, il est dans le double, il est dans la dualité, il est ailleurs. C'est une fausse piste au Redo. Mais on voit déjà que la dialectique des ventres est aussi une dialectique des mondes. Mais l'essentiel, il n'est pas là. De la ville monstre, du ventre gras, de la caverne inconsciente, frivocité du trope, multiplicité du sens, et sans doute le risque que le voyage déjà se transforme en une errance sans horizon. Alors, faire une pause. Alors, se ressaisir et essayer d'embrasser les différents sens du trope pour les organiser au moins le long d'un fil poétique. La caverne de Platon, les idées, la symbolique de la caverne, le ciel idéal qui planerait au-dessus des hommes, la première caverne. Et derrière cette métaphore, très vite, une deuxième caverne, une deuxième antre. Deuxième héritage de la mythologie grecque, la caverne initiatique. On pense à l'antre de Trophonius, célèbre chez les anciens. Et sans doute un phare pour nous. De quoi ? Qui est Trophonius ? Trophonius, roi d'une petite province et illustre architecte, construisit avec son frère, Agamède, le temple d'Apollon à Delphes. Le roi Hiéréus, les ayant ensuite chargés de construire un édifice pour ses trésors, ils ouvrirent un passage secret pour voler ses richesses. S'en étant aperçu, Hiéréus tendit un piège et Agamède fut pris. Ne pouvant le dégager et ne voulant pas être reconnu par les traits du visage de son frère, Trophonius lui trancha la tête pour l'emporter avec lui. Mais il fut aussitôt englouti dans les entrailles de la terre. Des années plus tard, la Pythie, consultée pour mettre fin à une terrible sécheresse, recommande de s'adresser à Trophonius, dont elle indique le séjour, dans un antre au fond d'un bois. La réponse du roi architecte fut favorable et dès lors le lieu de l'oracle fut des plus fréquentés. Mais on ne pouvait le consulter qu'à travers d'effrayantes épreuves. Une suite de vestibules souterrains et de grottes conduisait à l'entrée d'une caverne qui s'ouvrait comme un trou, d'une ouverture très étroite. Il y introduisait les pieds, le corps y passait à grand-peine, ensuite c'était la chute rapide et précipitée au fond de l'antre. Il en revenait, la tête en bas,
les pieds en l'air, remonté très rapidement aussi par une machine invisible. Pendant toute la course, il tenait en main des gâteaux de miel qui l'empêchaient de toucher à la machine et lui permettaient d'apaiser les serpents infestant les lieux. Le séjour dans l'antre pouvait durer un jour et une nuit. Les incrédules ne revoyaient plus le jour. Les croyants entendaient parfois l'oracle. Revenus à la surface, ils étaient assis sur un siège nommé Mnémosyne, le nom de la déesse de la mémoire. Ils évoquaient les terribles impressions ressenties dont ils resteraient frappés toute leur vie. Et on disait couramment des personnes graves et tristes à la consulter, l'oracle de Trophonus. Le complexe de Trophonus, qui tua son frère pour ne pas être reconnu coupable. Celui des personnes qui renient des réalités pour étouffer en elles quelque chose comme un sentiment de culpabilité. Le passé inscrit au fond de l'être. Celui qui disparaît pas pour autant, celui qui tourmente sous toutes sortes de métamorphoses. Des serpents aux créatures les plus funestes. Et puis le moment de la sortie vers la lumière. Et d'une certaine façon, derrière le masque de l'inconscient, derrière le mensonge de l'inconscient, la vérité d'une initiation, une caverne initiatique. C'est d'ailleurs une des interprétations de Lescaut. Quelque chose comme une grotte conduisant à un chemin, s'alignant le long d'un passage ascensionnel, la grotte initiatique. À la fois hiatus et pont entre deux univers et médiation des relations des humains avec le surnaturel. Mais même si nous écarterons cette hypothèse, il y a là un sème, une symbolique qui sera fondamentale et qui va imprégner toute l'histoire des ventres. Toute l'histoire à venir des ventres. Doré, Doro, Baudelaire, Zola. Nous, ce qu'on a vu d'abord, c'est pas le symbole. Ce qu'on a vu d'abord, c'est pas le chemin. Ce qu'on a vu d'abord, c'est des tripes. C'est ce qui grouille. C'est cette tension et cette indécision entre le minéral et le vivant. C'est ce qui s'agite et ce qui meurt. Ce qui rampe et ce qui s'élève. Le fluide et le visqueux. Distribution de couples antithétiques. Et derrière la volonté et la mort, se cache non pas une image associée à l'héroïsme, mais plutôt associée au dedans. Mais un large dedans, un dedans dans lequel on se promène, un dedans dans lequel on erre, un dedans dans lequel on se perd. Le dedans de la ville. C'est pas ça. C'est le dedans de la ville. C'est pas ça. Bah c'est le dedans de la ville. Mais c'est pas ça. Bah à ton avis. Bah son bêtis. Ou alors c'est le feu. Qu'est-ce qu'il allumera le feu? Est-ce qu'il allume l'intérieur? Est-ce qu'il allume les dedans? Est-ce qu'il allume les cavernes? Est-ce qu'il allume les antres? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les murs de la caverne? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu sais pas? Il va falloir qu'on cherche alors. En tout cas, je sais pas si on trouvera, mais on se promènera.山、重い山、時間をかけて変わるもの。空。Petit mot, je suis conscient de toutes les insuffisances de cet objet.
C'est la première fois que je me lance dans pareil voyage. J'ai conçu cette errance en trois grandes parties. Je proposerai les deux autres très très prochainement, dans les jours qui viennent. Je sais que le résultat est pas à la hauteur. J'ai mis en tout cas beaucoup de cœur, j'ai mis pas mal de tripes. J'espère vous avoir un peu emporté dans cet enthousiasme-là, dans cette quête. Je me permets aussi ce petit mot parce que ces différents objets, je vais les décliner. Je vais proposer deux vidéos par semaine autour de sujets divers. C'est ma façon à moi de participer à du collectif, de participer à quelque chose de l'ordre de la vie en commun. Je suis dans une situation très difficile en ce moment, comme beaucoup de journaliers. Sans rentrer dans les détails, ma situation personnelle ne me permet pas de prétendre à des aides. Et le contexte très particulier, voilà, me met dans une situation difficile. J'ai ouvert une cagnotte. Elle est en lien ici. Voilà, à votre bon cœur, comme on dit. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur.